make a way for you. Sick of just passing through. I'm not over the steps. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel horoscope au charme animal, puisqu'entièrement dédié à vous, les béliers. Amis béliers, on ne va pas se voiler la face. Ce soir, vous ne ferez pas l'amour. Demain, pareil. Après-demain, aussi. Et cet état de misère sexuelle absolue va durer éternellement. C'est comme ça. Faut vous faire une raison, vous avez un signe de merde. Pour étayer ma démonstration, quelques noms de béliers célèbres. Raymond Barre, Charles Pasqua, Jules Ferry, Gambetta. Et je passe de nombreux présidents du Conseil de la Troisième République. Bref, je ne vous donne qu'un seul conseil pour avoir une vie sexuelle meilleure, voire une vie sexuelle tout court. Changez de signe astrologique. Vous devez donc à nouveau naître. Et pour cela, il suffit de suivre une procédure très simple. Tout d'abord, accessoire numéro 1, enveloppez-vous confortablement dans un grand sac poubelle. Ensuite, accessoire numéro 2, remplissez-le de liquide amniotique. Et trouver un mammifère qui veuille bien vous accueillir pendant 9 mois. De taille conséquente, hein, quand même. Il est évident que vous allez au-devant d'une énorme, déconvenue si vous jetez votre dévolu sur un raton laveur ou un hérisson. Évitez. Un cachalot, par exemple, fera parfaitement l'affaire. Il suffit maintenant de choisir un signe astrologique de sexe symbole. Et voilà, à vous enfin la vie sexuelle riche, épanouie, que vous attendez depuis si longtemps. Alors on dit quoi? Merci qui? Merci l'horoscope. Pour encore plus de conseils sexo, vous pouvez aussi appeler au numéro qui s'affiche ci-dessous. Quant à nous, on se revoit très vite. Ah, y a pas à dire. Le pouvoir, c'est quand même le plus fort de tous les aphrodisiaques.